Elle s'appelle Sylvie Vartan. Et lui, Johnny Hallyday. Cette chanson a été conçue, écrite, enregistrée spécialement pour vous. Ça m'étonnerait que vous puissiez l'entendre un jour ailleurs. Je sais que beaucoup d'entre vous nous connaissent, je pense que vous nous connaissez mal. Alors on va commencer par essayer de se connaître un peu mieux. Par exemple, Sylvie va vous parler de la mode, moi je vous parlais de moto, on va parler un petit peu de notre vie. Sylvie et la mode. Eh bien, pour moi, cet été, la mode, ce sera un pantalon, en l'occurrence un blue jean, parce que c'est la tenue idéale pour voyager, pour travailler, pour se déplacer, pour être à l'aise. Et puis, également, une jupe longue en liberty, c'est-à-dire c'est un tissu anglais qui a des petites fleurs et qui est très joli. Johnny et la moto, toujours la moto, rien que la moto. Plusieurs personnes que j'ai rencontrées dans la rue qui m'ont demandé si je faisais ma tournée d'été en moto comme l'année dernière. Eh bien, je ne pense pas parce que l'année dernière, c'était dans un cirque, on ne faisait jamais plus de 80 km par jour. Alors que cette année, comme ce sont exclusivement des galas et qu'on va en moyenne faire entre 200 et 600 km, c'est un peu fatigant et un peu long de le faire en moto, surtout quand on chante le soir. Pourquoi j'aime la moto? On m'a également demandé souvent parce que je considère que la voiture est un objet de déplacement, c'est un objet de travail, alors que la moto, c'est plutôt une machine, un objet d'agrément de vacances, disons. J'aime bien les motos assez puissantes. J'ai une 750 Honda que j'ai fait transformer par Japoto en 950, parce que j'aime assez les engins assez poussés, assez puissants. Ça vient peut-être parce que ma première moto était une Harley-Davidson 1200 cm3 et que quand j'ai une moto, disons, plus légère, ça me paraît un peu fragile. Et comme je suis assez grand, je me sens plus à l'aise, moi, personnellement, sur une moto de grosse cylindrée. Bien, moi aussi, j'ai une moto, oui, j'ai une Kawasaki 250. Non, Honda. Non, c'est vrai, non, j'en ai une Kawasaki 250. Pas encore. Mais après-demain. Ah. Ce que j'aime dans la moto, moi, c'est... Moi, je vais avoir une Kawasaki 900, entre parenthèses. Oui, mais t'es plus grand, alors, évidemment. C'est normal, moi, je tomberais avec. Non, mais moi, ce que j'aime dans la moto, c'est que... Comme disait Johnny, c'est un objet qui fait penser aux vacances parce que quand on est sur une moto, on fait partie et on fait corps avec la nature. C'est-à-dire on fait partie de la nature, de l'environnement. Quand on est dans une voiture, on est dans sa voiture. Alors quand on est sur une moto, on est comme sur un cheval. C'est agréable. On est à l'air libre. Bye bye baby, bye bye honey. Je m'envole, je décolle. C'est un disque de toute façon d'un métrage assez court, on n'a pas le temps de pouvoir discuter trop longtemps avec vous, mais je pense qu'en tout cas, en ce qui concerne cet été, on aura l'occasion de vous voir, enfin en tout cas ceux qui vont bien venir nous voir. En attendant peut-être pour qu'on se connaisse un peu mieux, car aujourd'hui vous nous avez entendus, mais nous finalement on parle dans un micro et vous nous écoutez. Peut-être que vous pouvez écrire au journal pour dire si vous avez été content, si la chanson qu'on vous a réservée vous a plu, et en tout cas si vous aimeriez qu'on vous la chante cet été en tournée, Sylvie et moi. Alors on attend votre courrier et j'espère que vous aurez été content de cet enregistrement et que ça vous aura fait plaisir. À bientôt. À bientôt, au revoir.